Voici le guide complet des défis Transformers partie 1. Le premier défi va vous demander de faire une émote après avoir détruit un bidon d'essence ou une pompe à essence. Donc pour réaliser ce défi, vous allez tout simplement à des pompes à essence et vous détruisez la pompe. Ok, donc dès que c'est fait, vous faites une émote et dès que vous aurez fait l'émote, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le boomerang cinétique. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre en dessous de Shady Stilt, donc juste ici sur le gameplay. À cet emplacement là, vous aurez toujours l'emplacement d'un boomerang cinétique. Donc vous le récupérez et ensuite vous cherchez un adversaire. Dès que vous avez trouvé des adversaires, vous leur lancez le boomerang cinétique et vous infligez un total de 500 dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir un canon de Cybertron dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Rumble Ruin, donc juste ici sur le gameplay, parce que vous avez de grandes chances d'en obtenir. Donc regardez, là il y en a justement un devant moi. Donc ensuite vous le récupérez. Il va falloir le récupérer, en trouver dans 4 parties différentes. Si maintenant vous ne le trouvez pas à l'extérieur, ce que vous faites, c'est que vous rentrez dans le temple et là vous allez tout simplement descendre tout en bas, hop, comme ceci. Et il y aura une porte violette qui vont vous demander un objet épique. Ouais, c'est ça, un objet épique. Donc ce que vous faites, c'est que vous cherchez un objet épique et vous lui donnez. Dès que vous allez lui donner l'objet, la porte va s'ouvrir et vous aurez accès à 3 coffres légendaires plus 2 autres coffres. Et vous aurez de grandes chances d'obtenir le canon Cybertron dans un de ces coffres. Si vous ne le trouvez pas, vous fouillez toute la map hein, et vous cherchez un coffre qui vous le donnera. Mais voilà, c'est assez compliqué de le trouver, je trouve. Donc voilà, dès que vous aurez obtenu le canon Cybertron dans 4 parties différentes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance dans des véhicules ou en chevauchant un animal. Alors pour réaliser ce défi, soit vous trouvez un T-Rex, vous lui sautez dessus pour le chevaucher, ou alors vous trouvez un véhicule, ou alors même vous pouvez même trouver des petits œufs comme ça et faire éclore, ce qui va vous permettre d'avoir directement un dinosaure. Après il faut avoir la chance d'en trouver. Mais bon voilà, le défi est très simple, hein. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous cherchez un véhicule et vous parcourrez une certaine distance pour terminer les 3 étapes du défi. Dès que ce sera fait, vous aurez débloqué les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de ramasser des jetons de Transformers. Donc pour réaliser ce défi, c'est très simple, hein. Vous allez sur votre défi et là vous avez toujours l'emplacement qui est noté. Donc vous mettez un ping, vous allez à l'emplacement indiqué et vous récupérez le jeton, voilà, comme ceci. Ensuite, il y a le deuxième qui sera affiché, etc., etc. Vous suivez peut-être juste le chemin. Ouais, il y a un chemin directement tracé, donc vous avez juste à suivre le chemin. Et dès que vous aurez récupéré les 13 jetons, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCM.